Aussi au fait que il y a le fameux Tarko qui n'est pas vieux du tout, contrairement à ce que son prénom pouvait laisser entendre, puisque on se souviendra que les garçons ont déjà gagné une étape du tour du Benelux en Corse de la même manière. Comme il a gagné remarquablement cette étape du Giro, et comme il a résisté très très longtemps, dernière ronde de l'échappée à Milan-Sanremo. Donc on a là quelqu'un qui peut faire véritablement de la résistance. Je pense que dans le peloton, il y a quand même encore quelques équipes qui vont bien vers vous jusqu'à présent. Et je pense avec le système, notamment avec l'équipe de Rhin. Je pense éventuellement aussi à cette équipe que vient de la région de Rhin. Oui, donc je pense que le peloton en course peut mieux être. Tarko Van der Haar, l'image, le grand patin à blanc, 1,87 m, 27,50 kg. On rappelle vainqueur d'une étape du Giro, de quelle belle manière, vainqueur d'une étape de Pipan Tour, vainqueur de la Coupe Cels, vainqueur de la France classique. Non, pas mal, c'est le moment de musique. Alors, ce n'est pas un immense salon au téléphone, mais ça fait de ce coureur. Ouais.